Bienvenue à notre tout nouveau commanditaire, Béné et compagnie. Si pendant le temps des fêtes, vous planifiez un petit lunch d'équipe, un 5 à 7, ben, peu importe, vous pouvez compter sur le service rapide de livraison de Béné et compagnie. C'est avantageux parce qu'il y a des choix pour tout le monde. Vous pouvez même faire des rabais quand vous commandez des commandes de groupe. Mes enfants capotent sur le Béné et compagnie. Et j'ai un employé qui est également comme un enfant, qui lui capote sur la du Béné et compagnie. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez Boulet, <laughs> Je te crampé parce que euh, effectivement, euh, Claudia Bouvette est là. Salut Claudia. Salut. Salut, salut. Claudia. Tu te posais la question pendant le petit beat euh, gangster, pourquoi on n'a pas d'écouteurs? Oui. Euh, c'est parce que je n'ai pas d'extrait. Hein? Mais euh, j'avoue que, correct. sachant que tu as mis tes lunettes dans tes cheveux, dans le but. Ça aurait été problématique. Mais ça moi, pas ça pas pourrait dire. cacher. Là, ça va faire plusieurs shows de suite que je commence en, disant, en parlant de calvitie. Ah ouais, tu veux qu'on en parle? Mais. <laughs> je... On peut starter avec ça. Là. Encore une Let's fois, l'espèce de petit cerne, mais je me dis, c'est pas fou, euh, Marc, peut-être <laughs> juste des écouteurs <laughs> par principe de cacher un peu ça serait mais les, quand même... les écouteurs de podcast j'ai l'impression que c'est pour le style ouais. parce que tu sais on s'entend parler c'est dans ma face ouais puis j'ai pas d'extrait ben là mais là tu t'es en train de dire je me suis pas... on n'est pas stylé si le... mais moi je t'en ai à dire je sais pas si c'est professionnel <laughs> Puis toi t'es stylé en tabarouette Claudia euh, merci d'être là premièrement petite annonce habituelle le, le podcast est disponible sur toutes les plateformes merci à tout le monde d'embarquer dans le show, ça nous permet d'avoir des invités de plus en plus hottes. Yeah. Non, ça veut dire que les premiers n'étaient <laughs> pas, c'est pas vraiment toutes. Mais je suis pas content que cela, là Claudia, parce que je te, je te regarde aller depuis, euh, depuis les dernières années. Tu es partout présentement, tu es sur la couverture du, euh, du L Québec du mois d'octobre aussi. Euh, ce qui. Euh, C'était-tu un défi pour toi de faire ça? Parce que je me souviens d'avoir lu à quelque part à Mané où tu disais que tu assumais moyen ta féminité, mm. où tu avais l'impression que ça allait te, te nuire peut-être dans, dans ta carrière. Quand t'as reçu oui. l'appel pour faire le L, t'as-tu oui. hésité? Tu t'es dit ok, fuck que je le fais, comment que ça Ah, mais j'ai zéro hésité. Au contraire, j'ai pris ça comme un, une très grande fleur qu'on me donne l'opportunité de pouvoir faire le cover, tu sais. oui. On dirait que c'est même un peu invraisemblable. Je me disais Moi? <laughs> Vous êtes sûre, tu sais je sais pas. Euh, fait que non, j'ai vraiment euh, été super flattée et honorée que, que j'ai cette opportunité-là. Euh, puis, je te dirais que... Cette espèce de dualité-là que je vis face à ma féminité, c'est quelque chose qui est là et que je vis depuis le secondaire. Puis euh, là, ben maintenant que j'ai 27 ans, j'ai comme envie de, de me réapproprier mon, ma féminité et d'être bien dans cette féminité-là. Et donc, pour moi, faire le cover du L, très précisément, au contraire, j'avais envie de me laisser portée par l'expérience, puis de donner un peu carte blanche aussi. Ouais. Parce que je travaille avec des professionnels qui ont une vision, qui ont une façon de... J'avais vraiment envie de me laisser aller puis de ne pas être autant comme anal que dans ma vie. T'sais? Mais je... premièrement, on... je te connais peu. Euh, on a des amis en commun, mais la perception que j'ai de toi dans ta carrière puis dans ton côté flyer créatif, t'as l'air super hands-on mm. sur la direction artistique que tu vas prendre. Ouais. Fait que là, avec le L, t'as décidé de les laisser aller. Ben, tu sais, je me dis, un peu, ça fait partie un peu du, euh, du processus puis du plaisir de, de, de faire quelque chose d'autant cool. Ouais. C'est de, de comprendre que je travaille avec du monde qui ont une vision, puis de vraiment laisser les gens... Euh, J'avais envie de me laisser aller, puis de leur laisser aussi carte ouais. blanche, puis l'opportunité de faire ce qu'ils ont envie de faire avec moi. Es tu Es-tu contente du résultat? T'sais? Full. Ouais. Je suis vraiment contente. Je pensais pas... Euh, T'sais, à la base, on dirait, même que dans la sélection de photos, il y, y a une photo en particulier que je, moi, je me souhaitais que ça soit le cover. Puis je priais, j'étais comme, j'espère que ça va être celle dans la douche où je suis baller, très comme euh, plan euh, rapproché. Ouais. Ah, avec euh, vraiment comme un, un look très euh, dans ta face. Plus baller, plus. Euh, bold un peu, le Bold, là ouais. euh, <laughs> intouchable. Un peu statement, là. Ouais. Puis je me souhaitais celle-là, puis finalement, je pense qu'ils qu ont choisi d'aller avec une photo qui est plus, euh, plus intime, un petit peu plus vulnérable dans la pose, dans le, le je sais pas, peut-être que dans, dans le juste l'esthétisme. Il y a comme un, c'est au coucher de soleil dans ouais. un lac, c'est over the shoulder, c'est comme je pense mon. Puis l'entrevue que j'ai faite avec une de mes amies Rosalie Bonenfant euh, mène un petit peu la discussion se. Est un petit peu plus justement dans le, la confidence. Mm -hmm. Puis je pense que c'était un peu ça l'idée, c'était de donner l'impression qu'on avait accès à une discussion entre deux amis, puis qu'habituellement, qu tu pas, ouais. pas accès à. Fait que je pense qu'ils ont choisi une photo qui était plus euh, douce. Cohérente avec ça. Ouais. Puis finalement, au début, j'étais comme Ah, oh, j'ai pas ma photo baller de ouais. G. <laughs> Mais finalement, j'étais super contente. Je trouvais que c'était un bon choix, puis que ça, ça fitait mieux dans le. Tu euh, tu mentionnes les. les, les, les l'entrevue Confidence avec, avec Rosalie. Euh, sur les réseaux, on va te suivre, on va voir tout ton côté flyer, on va entendre ta musique. C'est mm. pas là qu'on apprend le plus à connaître euh, ta personnalité. Ouais. Puis est-ce que ça avec... C c tu sais, cest une stratégie de carrière? -tu, tu, une, des fois, on, je me souviens d'une époque où autant les artistes que les comédiens, comédiennes, on connaissait très peu de leur vie. Mm privé dans le but que la musique soit mise en lumière ou leur performance euh, à l'écran soit mise en lumière. C'est-tu avec ce bagage-là que tu pars ou ça fait juste partie de Kiqueté ou tu es un petit peu plus euh, réservé? Je maintenant? pense que je suis un petit peu plus discrète. Je pense que c'est juste ça. T'sais, je ne sais pas si le fait que j'ai commencé tôt à être dans l'œil du public à genre 15 ans, mm -hmm. je sais pas si c'est ça qui a influencé le fait que je, maintenant, je, je vis un certain malaise à... À donner à des inconnus accès à ma, ma vie ouais. intime. Je, on dirait que comme une espèce de. Ça erronne chez moi, je suis comme inconfortable. J'arrive pas à, à parler à une communauté. J'arrive pas à. On dirait que c'est comme de prétendre. Ouais. Une, je sais pas si j'ai l'impression que, que si je, me, je prétends avoir une importance. Je sais pas c'est quoi, mais on dirait que j'ai besoin de garder ce, cette facette-là de ma vie. Privé. Ouais. Fait que va... Ça va être à propos de la musique, ça va être à propos de, de... des projets, c mais c'est bien rare que je vais livrer une, une... une opinion. Mm -hmm. Tu as, as commencé jeune, c'était Mixmania en 2011. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parle-moi de... de cette expérience-là. Comment tu as pu utiliser ça après pour te propulser quand même? Parce que ça a été, mm -hmm. ça a été un beau tremplin. Euh, ben, Mixmania, c'est ça. C'est un show, euh, c'est une téléréalité euh, où on était huit jeunes chanteurs, danseuses... Ah. Chanteurs et danseurs et danseuses et chanteurs... Euh. <laughs> Chanteuses. <laughs> Puis euh, on vivait pendant deux mois de temps dans un genre de penthouse dans le Vieux-Montréal. Puis on apprenait à danser, chanter. On rencontrait des, des artistes qui nous donnaient des trucs. Puis euh, le but, c'était... De gagner le cœur des, des jeunes Québécois ouais. qui allaient voter pour est-ce que c'est les. Ça, c'était à vrac. Oui, c'était à vrac. Fait c'était l'époque juste avant les médias so sociaux mm -hmm. et c'était l'époque de la prime time télé. Là, ouais. Fait que les, les jeunes étaient au rendez-vous à la télé, puis les jeunes avaient un impact sur notre destinée. C'est eux qui votaient. Qu'est-ce qu'ils veulent voir comme porte-parole? Qu'est-ce qu'ils veulent voir chanter le fameux duo mm -hmm. qui va être sur l'album? Est-ce euh, que c'est les glamis ou c'est StepZone qui gagne le show. Ouais. Fait il y avait vraiment euh, un droit de regard sur notre destin, si on veut. Fait que je pense que c'est ce qui a fait en sorte que ça a autant accroché. Puis, c'était avant les, les, les médias sociaux ouais. d'aujourd'hui. Donc, il euh, n'y avait pas, ça n'existait pas, les influenceurs, mm -hmm. Tu ne pas suivre plein de monde dans leur quotidien au bout de tes doigts sur ton téléphone. Ouais. Donc, je pense que ça créait vraiment le phénomène. Ça a été un phénomène, Mixmania. Ouais. Suis... T'étais-tu là? Euh... On m'avait demandé de faire un workout avec... Euh... Avec la avec gang la de Mixmania mix sur le terrain des Alouettes. Euh... Mais est-ce que c'était Mixmania 2, 3? C'était peut-être le 2, je sais pas. 4, parce que moi, j'étais dans le 2. T'étais dans le 2? Ouais. Hmm. Est-ce qu'on je... a tu fait ça? Je sais pas, si tu viens d'avoir euh, fait des push-ups puis euh, d'avoir couru sur le terrain J du Stade McGill, une... ouais, ça je... se peut que ce soit pas toi. Non, je pense que c'est Mix 3. Ah, ça se peut. Oui, que. Ça se peut, écoute, moi aussi, ma mémoire me fait défaut, mais il y avait. <laughs> oui, c'est vrai. On faisait rencontrer toutes sortes de monde pour faire ça. Puis quand tu sors de cette espèce de bulle-là, tu sais Qu'est-ce qui arrive après? Parce que t'es es jeune, puis es, es, tu deviens populaire quand même du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Puis, étais-tu équipée pour ça? T'étais-tu préparée, vite? Je, je pense pas qu'il y a personne qui est équipée pour ça, surtout pas à cet âge-là. Ouais. Tu sais, 15, 16 ans, là. Man, t'es. Tu vis tes premières de toutes, à tous les niveaux. Ouais. T'es comme. T'es vraiment. Euh, moi, j'étais une petite éponge, puis j'avais rien vu, puis je, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'étais aussi... Euh, j'étais full spontanée, j'avais pas de limitations mmh. dans ma tête à ce que je pouvais faire, puis ouais. j'étais vraiment dans l'accueil de ce que je suis en train de vivre, puis avec vraiment une, une, une innocence de, de la jeunesse. Mais le retour à la réalité après a été vraiment, vraiment perturbant. OK. Oui, je, je pense que mon contexte, euh, scolaire a pas aidé euh, je pense que ma gang c'était quoi ton contexte scolaire ben je pense que c'est je pense qu'il y avait juste pas de support puis mmh. au delà de pas avoir de support c'était vraiment je ressentais comme un il n'y a personne qui a, f... qui a pris soin de m... de m'accueillir en revenant puis je dis pas que c'est qu'il aurait fallu mais en même temps je parlais avec euh, William Cloutier euh... Ouais. Lui, après son expérience, il était en Mix 3. Puis lui, il m'avait dit, quand je suis revenue, ils m'ont préparé une fête. Puis ils m'ont fait sentir bien de ce qui venait ouais. de se passer dans ma vie. Puis moi, puis je, je dis pas qu'il fallait me faire une fête, là, ouais. mais j'ai l'impression que j'étais mal de revenir dans mon dans mon monde, puis ouais. dans, dans tout ce que je reconnais. T'sais, là, c'est comme si ma vie venait d'être chamboulée. Ouais. Intense, puis tout ce que j'avais besoin, c'était de retrouver mes repères. Et là, tout ce que je ressentais, c'est d'être une intrue dans mon école. As -tu du... Y avait-tu de la jalousie? Des, des, des fois, des c'est un âge fragile, quand ouais. même, euh, l'adolescence euh, pré-adulte, ouais, 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 ouais. euh, où là, t'es sur le spotlight. Pas à peu près. Des fois, ça peut déranger un peu. Ça dérange euh, à tous les niveaux, mais, mais particulièrement à cet âge-là, des fois, c'est plus difficile à gérer. Oui, je pense que oui. Moi, j'avais une, une gang de filles. On était vraiment comme. On était genre sept, 8 filles tout le temps ensemble. Puis, euh, je sais que quand j'étais pas là, ça médisait dans mon dos. Moi, j'ai. Ah ouais. Ouais, ma seule réelle bonne prof du secondaire, je suis désolée pour toutes mes autres profs, mais mmh. <laughs> genre, ça, ça a été difficile, moi. J'ai l'impression. Euh, Ma... Ben, après ça, je fais pas pitié. Là. Je, je, oh oui. je pense que j'étais une jeune qui avait beaucoup d'énergie et qui ne se retrouvait pas dans le système scolaire. Ouais. Donc, je déplaçais de l'air, je n'aidais pas les profs, je parlais. Et tout fait que Je ne fais vraiment pas pitié à ce niveau-là, mais j'ai une prof qui a été vraiment bonne pour moi et qui, qui, qui me comprenait. Puis quand je suis revenue elle m'a amenée dans son bureau, pis elle était comme, écoute, je sais pas trop comment gérer ça, mais je tes amis, je ne pense pas qu'ils ont été super fins pendant ah, que tu ouais. pas là. Puis, j'aime mieux te le dire que de ne pas te le dire. Ouais. Wow. C'est comme, tous mes piliers un peu... Euh, ouais, tu as perdu tous tes rapports? En, ouais, était, tout était chambranlant. Puis, tout d'un coup, je ne me sentais pas bien d'être moi. Je ne me sentais pas bien euh, d'être loud parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche ou mmh. qui, qui a de l'énergie. Mais là, tout d'un coup, j'avais juste envie de m'effacer. Euh, fait que ça a été comme un retour vraiment tough. Puis, euh, puis ça m'a suivi longtemps, ça. Ouais. Puis j'étais pas équipée. Ça je... t'a-tu freiné dans ton. Tu sais, parce que d'un côté, tu cherches à retrouver tes repères. De l'autre, tu viens de sortir d'une expérience qui est spéciale, ouais. qui est enrichissante, puis sur laquelle tu peux bâtir pour la suite aussi. Ça t'a-tu freiné de te dire hey, non, faut pas trop que je dérange, fait que j'irai pas trop. Euh... Essayer de défoncer des portes pour, pour continuer de me faire un nom mmh. puis de percer? Euh, à ce niveau-là, non. Il n'y a pas eu trop d'incidence de, de, face à ma vision de ce que j'avais envie de faire dans la vie. C'était vraiment plus social. Mmh. C'était vraiment le côté social de ma vie qui venait de prendre une grande débarque puis que je, je suis hyper sensible. Puis je mmh. sais comme... Je, à ce moment-là, je ne savais pas comment gérer ouais. euh, tout ce que je vivais. Puis c'était vraiment étrange. Là, tu sais, comme les premiers... La, la première année, suite à mix, là, moi j'ai des blancs de mémoire, là, mais ma meilleure amie qui était là à l'époque, qui est ma coloc aujourd'hui, qui est toujours présente, elle, elle s'en souvient très clairement. Il y a une fois, on est allé au, au Saint-Hubert en famille, puis j'ai pas pu manger parce que ma table se faisait entourer de gens, de jeunes, puis j'ai passé 45 minutes à, jaser avec des jeunes, puis à prendre des photos. À des photos puis, puis, je, 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 c'est quand même weird quand ouais. je pense. Puis, tu sais, j'étais super généreuse de mon temps, puis j'avais comme pas de limite, puis c'était très grandiose, puis j'étais comme, mais voyons donc, les gens s'intéressent. Fait que, mais c'était vraiment particulier, puis ça, c'était comme rendu ça mon. Mon, ma genre de vie, qui c'était très synthétique. comme pas naturel, ouais. si on veut. C'est rare que... Justement, t'es comme pas équipé à vivre ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est drôle quand je... C'est intense. C'est intense. Puis quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, un peu, mettons, à l'inverse au niveau du sport. Je suis parti de, de secondaire 5, je suis allé aux States. Puis de comprendre l'espèce de, de phénomène football aux États-Unis. Moi, je me souviens, j'ai joué une game. J je jouais bien, tu sais. Puis après le match, mes parents me sortent dîner dans un espèce de diner dans, mmh. dans le fin fond du Connecticut. Puis j'arrive là, puis les gens se lèvent, puis se mettent à m'applaudir parce que j'ai fait gagner l'équipe comme non. une heure avant. Puis je suis comme, aïe, j'étais aux États-Unis, Je suis aux États-Unis, États mais moi, ça a été des petites parcelles de ça. Puis à un moment donné, tu deviens connu sur le campus, puis tout ça, après ça, tu as l'université, puis t'as un tremplin. Puis tout ça, sur peut-être un 5-6 ans, m'a préparé à l'arrivée aux alouettes, puis après ça, la gestion des, des médias, puis tout ça, parce que nous autres... Le... La particularité du sport, c'est qu'à tous les jours, après tes pratiques, puis après ta game, tu as des médias dans ta face qui te posent des questions. Ouais. Fait Comment ouais. repérer les pièges et tout ça. Mais tu à ton âge, paf, on, on, te, on te, te catapute là-dedans. T'as as évolué à quoi? Après, tu comme après cette période-là, après cette transition-là, qu'est-ce qu -ce que. Ça a été quoi le, le next step? Encore une fois, c'est l'heure de la publicité. Je veux remercier Westburn, qui est un des annonceurs sur le show cette semaine. Westburn, c'est un des leaders dans la distribution électrique. Que vous soyez euh, contracteur seul, que vous ayez une petite équipe, une grosse équipe, je vous invite à vous rendre du côté du westburn.ca parce qu'il offre vraiment un service clé en main. Il y a toutes sortes de départements. Je vais vous les lire pour ne pas me tromper. Départements spécialisé, spécialisé en éclairage pour euh, vous aider à avoir les propositions les plus avantageuses possibles. Il y a un département d'automatisation. Automatisation, un département de soumission et de suivi de projet. Euh, c'est vraiment euh, eux autres qui ont accès à tous les, euh, les distributeurs, euh, les fournisseurs majeurs dans l'industrie. Alors, encore une fois, ce qui est le fun, c'est euh, peu importe la grosseur de votre équipe, vous êtes pris en charge de la même façon chez Westburn. Euh, après ça, ben j'ai. Euh j'ai fait une session au cégep de Grimbé <laughs> en me disant, je vais être une bonne personne, je vais pas arrêter l'école. Mmh. Va... Puis pas, je savais pas. Pendant un bout, je me disais, OK, je vais aller en comédie musicale. Finalement, je suis allée visiter l'école puis j'ai fait, ça n'a pas rapport, ce pas ça que je veux faire. Mmh. Euh, après, j'essayais de me trouver puis je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire. Est-ce que je veux aller étudier en jazz? Ah, ça me tente, mais il y a quelque chose qui me dit que j'ai comme envie de de développer un son ouais. qui, qui j'ai pas envie d'apprendre ben puis pourtant je dirais j'aurais je, aujourd'hui j'en je, je pense que je pourrais vraiment bénéficier d'avoir mes études en jazz parce que c'est je, je avoir des je raccourcis ouais, ouais. au lieu de mais en même temps je sais pas j'avais comme l'espèce d'intuition que je voulais je voulais me laisser un peu le champ libre de de me laisser influencer par rien mm -hmm. Euh, fait que Je m'étais dit, bon, je vais aller en acquis intégration, je vais accumuler mes points en attendant. Mais tu sais, c'était comme une fausse bonne idée parce que, je me connaissant, je suis. Moi, je, on perd ma concentration en deux secondes et demie. Ça, ça t'accroche pas tout de suite. Ouais. Fait que j'ai fait. Euh, une session. Une session. J'avais du français, philo, tai chi <laughs> et hors drame. Okay. J'ai passé tai chi et hors drame. Ok, cool. <laughs> Taichi, tu l'appliques encore aujourd'hui, évidemment. Oui, vraiment. Ouais, euh, là, <laughs> euh, mes chakras sont bien. <laughs> mais euh, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu une, ma première audition à la télé pour euh, faire 30 vies. Euh, c'est une directrice de casting qui m'avait qui probablement vue à Mix puis elle m'avait donné cette euh, place ouais. d'audition. Puis moi, ben, j'étais super curieuse. Je n'avais jamais fait de ça. Fait pourquoi pas? Je, je, je veux voir c'est quoi passer une audition. Finalement, je l'ai décroché. Mm -hmm. Ça a été ça pour moi à la suite. Ça a été, euh, finalement, dans, de rentrer dans une nouvelle ère, une nouvelle ère de comédienne ouais. improvisée. Ça a été longtemps euh, du euh, gros syndrome de l'imposteur. Ah dire, oui, hein? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? J'ai bypass du monde. Je ne devrais pas... Je sais pas ce que je fais. <laughs> Mais, tu sais, finalement, je suis comme devenue comédienne pour les cinq années qui ont suivi, puis j'ai tripé. tu T'as-tu quand même entretenu... Euh, la musique pendant ce temps-là, ou tu vraiment. Ah, c'était. Je, je, je travaillais quand même assez pour que je puisse en vivre. Ouais. Puis, que j'ai pas assez d'espace mental pour me concentrer sur un projet de musique d'envergure. Mm -hmm. Pendant cinq ans, ça a été vraiment le jeu. Ouais. Puis, au bout de cinq ans, je me suis dit. Là, j'avais comme un genre de trois, quatre mois avec rien. Puis, je me suis dit, c'est le bon moment. Il faut, faut que je prenne cette opportunité-là puis que je me, je me replonge. Euh, C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Connor Seidel, le, la personne avec qui je fais ma musique depuis, ouais. un excellent producer qui, qui m'a donné vraiment la, la chance de me redécouvrir, trouver ma place, trouver mon son, me faire confiance, ouais. euh, pas avoir honte d'essayer des affaires parce mm -hmm. que je ne sais pas par où commencer. Ouais. Tu sais? euh, C'est ça. Euh, puis c'est à ce moment-là que je, je me suis replongée dans la musique, puis là, c'est comme devenu. T'es full-on là. là, oh. là. As, euh, as tu T'as-tu l'impression que. Il faut-tu que tu te concentres sur un ou tu pourrais jongler avec les deux éventuellement? Euh, ou ça serait peut-être couper les coins ronds au niveau de la musique si tu prends des rôles? Si, Est-ce mm -hmm. que tu gardes ça dans ta poche arrière? C'est quelque chose que tu, tu te dis, hey, effort uh, fails, je peux retourner là? Ah, oh, mais oui, full. C'est. Pour moi, y a, y a ce n'est pas un ou l'autre. Mm -hmm. C'est juste une question de temps, puis de priorité, puis de où tu as envie de mettre ton énergie. Euh, se starter en musique, c'est intense. C'est intense en anglais au Québec. En anglais au Québec. C'est vraiment un méchant défi euh, que j'ai envie de, de relever, puis que j'ai toujours eu cette vision-là. Depuis que je suis toute petite, je m'imagine voyager avec ma musique. J'ai été, euh, été une bonne partie de mon primaire en anglais. Donc, pour moi, écrire en anglais, c'était. C'est naturel. naturel. Euh, ma voix, je trouve qu'elle sonne différemment en anglais. Puis pendant longtemps, j'ai cru que j'étais meilleure en anglais. Récemment, j'ai commencé à écrire en français. Puis okay. je réalise que je suis capable de le faire, que j'aime le faire. Mm -hmm. Puis que ma voix sonne différemment, mais que j'aille je, 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 je pas ça. Oui, oui. Fait que là, maintenant, je vais... Tu sais, je jongle entre les deux, mais ma vision de faire de la musique en anglais puis de faire de la musique qui qui voyage... Il n'y a pas de frontières aussi. Il n'y a pas t'sais. de frontières. Tu sais, ma musique est très... C'est comme de la pop alternative. C'est un mood, la musique. Tu sais, en tout cas, à, à mon avis, là. Puis c'est drôle parce que tu parlais d'essayer de trouver ton ton style. Puis je dirais que je, je... De qui tu t'inspires? Tu sais, dans le sens où... Puis je ne je, je, je suis pas un expert en musique, mm -hmm. by the way, là, mais tu sais, j'ai de la difficulté à, à cibler comme... OK, Claudia a comme... Un tel, ouais, comme une telle. Tu sais, comme. C'est une vibe. Mais de qui tu t'inspires pour créer Y a-tu des influences quelconques Ah, ouais c'est sûr que c'est. En particulier. Tu sais, mettons, dans les cinq dernières années, j'ai dévoré l'album de Nikki and the Dove. Je sais pas si c'est qui. C'est excellent. Mais c'est normal que. Dans le sens que c'est quand même. C'est un méchant bon ben, mais ça s'inscrit quand même un peu dans le underground. Ouais. Mais je vais, tout te, je ah vais ouais, te faire tu... une liste après. Ah oui, j'aimerais ça. Ouais. Découvrir de la nouvelle musique. Nikki mais... and the Dove, c'est un. Je ne sais pas si c'est un couple dans la vie, mais c'est un couple. Nikki and her Dove. Ouais. Puis euh, ils font de la musique euh, très 80s, ouais. fait que super nostalgique avec des gros synths et des grosses mélodies euh, pop. Ouais. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que ça m'a ça vraiment accompagnée dans mon propre processus euh, dans les dernières années aussi j'écoutais beaucoup de slow tie okay. qui est un rappeur euh, qui vient de il est british, okay. si je ne m'abuse euh, c'est très loin de mon genre musical mais il y a une tonne en particulier qui s'appelle doorman très drum and bass mm -hmm. un peu genre ça me fait penser à du genre une scène dans mad max là. Okay puis, fait, lui, lui m'a beaucoup inspirée. Sinon, tu sais, il y a comme plein plein d'artistes. En ce moment, j'écoute beaucoup de Cheryl Crow. que ouais. <laughs> je, je retrouve un peu, euh, tu sais, récemment c'est ça. Je ressors ma guite Pendant des années, j'ai, je composais au piano, mais là, j'écris un petit peu plus avec la guitare, puis ça amène des différentes mélodies, puis des différents modes. Parce que tu joues de plusieurs instruments là. Tu sais, euh, j'ai la liste ici là. Oh my God euh, Dis-moi la, la liste. <laughs> piano, guitare, violon, trompette, flûte traversière. <laughs> oh, ça me fait rire parce que, tu sais. En vérité, là, je joue de la guitare puis du piano, puis genre, je ne vais pas te péter un, un concerto. C'est vraiment juste de... pour composer. Ouais, ouais. puis tu sais, la flûte traversaire, c'était mon instrument au secondaire. Okay. Mais comme... <laughs> que tu as remis assez vite. Oui, que je, je, je ne joue pas. Le violon, j'ai joué pendant 10 ans, de temps, mais je n'étais pas moi j'ai besoin que ça soit bon rapidement ouais. et le violon c'est tellement de techniques c'est tellement difficile massage au violon puis c'est pour finir à avoir un à, à, tu sais, à acquérir un beau son c'est c'est long tellement long puis c'est vraiment de l'acharnement mm -hmm. oui puis de l'acharnement pour tes proches aussi au début parce que je me souviens de ma soeur euh, quand elle était jeune puis qu'elle finissait ses cours de, de violon puis qu'elle venait pratiquer ouais, à la maison ça, on ça. avait le chien qui hurlait puis moi aussi, quasiment, c'était pas à toujours les cheveux, là. facile, c'est ça. Ah oh non, le violon, quand c'est pas... Euh... Ben, c'est pas bon, tu quand le sais bon, tout de suite. Bon. Exact. exact. Fait que moi, j'ai joué pendant 10 ans de temps, mais... Écoute, genre. Ah, mais t'es elle... pas obligé d'être la, la prochaine Led diap, là, tu sais, dans le sens où t'es. Non, je sais bien, je sais, mais reste que ça me fait rire, t'sais, pas, tu sais. Je sais pas si t'as trompette là-dessus, t'as-tu trompette? Ouais, j'ai trompette. Ah. trompette. <laughs> Parle-moi de ton, ton rapport hey, avec la trompette. Ben, J'étais dans le jazz band au secondaire. What? Mais tu sais, genre, euh, j'écrivais mes doigts au-dessus de mes notes parce que je les mm. ai pas apprises. Fait que ça me fait toujours rire quand on me sort cette truc. J'ai un piano là-bas en sortant, tu regarderas. Y a des... <laughs> mais le piano, ça va, je suis... Moi, j'ai oh, des, des chiffres sur les, sur les notes. Moi, aussi. Là, je ne vais pas te juger. Okay, t'es es gentil. <laughs> Puis là, euh, tu as, as, as replongé dans la musique. T'sais, tu tu t'es découvert là-dedans. À travers ça, il y a quand même eu tout récemment... Euh, un retour à la télé ouais. avec Big euh, Brother. Yeah! Yeah! C'était yes. comment? As, parce que t'as bien, bien sorti ton épingle de jeu quand même, t'as bien, bien, bien paru, ça a été positif ouais. comme expérience, mais c'était-tu euh, un peu énervant avant de rentrer de faire comme qu'est-ce que je fais de me replonger? Oh my God, mais j'étais terrifiée. Moi, j'ai hésité pendant six mois, puis la prod ont été vraiment smart parce ouais. qu'ils m'ont laissé le temps de prendre ma décision. Okay. Mais je pense que j'ai décidé en novembre. Puis, tu sais, on wow. tourne en, en janvier. Ouais. Puis, je, je pense qu'ils m'ont demandé avant l'été. Tu sais, fait que c'était... Qu'est-ce vraiment... qui te faisait peur? Ah, oh, il y a plein de choses. Je, On dirait que le fait d'arriver de, de, du monde de la télé-réalité avec Mixmania, mm -hmm. que ça a été la chose qui m'a comme startée dans le monde artistique, ouais. on dirait que je me disais... J'avais peur de ce que ça allait représenter pour moi d'y retourner. Okay. On dirait que j'avais peur que ça joue sur ma crédibilité. J'avais comme peur que ça m'étiquette encore une fois à oh, une fille qui fait des, 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 des euh, télé-réalités. Mm -hmm. euh, ensuite, j'avais peur d'être dans une maison avec 60 caméras ouais. qui me filment 24-7. Il euh, y a plein d'affaires que je trouvais complètement terrifiantes d'accepter de, de faire ça. Euh, puis finalement, après ça, je me suis dit OK, c'est quoi les point positif si j'accepte de mmh. le faire. Euh, je me suis dit, je sais que si j'accepte de faire ce show là, je vais vivre une expérience hors norme. Je vais aller à la rencontre d'êtres humains qui se mettent dans le même pétrin, oh oui. <laughs> dans la, en danger comme moi, qui vont avoir les mêmes peurs, qui, puis qui vont se prêter à ce jeu là. Puis je savais que j'allais en sortir grandie, puis j'allais aller, j'allais rencontrer des gens qui allaient me faire vivre. Euh, des choses extrêmement dé déstabilisantes. Ouais. Le jeu en soi allait être déstabilisant. Donc, euh, ça, ça m'intriguait. Puis, on dirait que j'étais en manque de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ok. J'avais besoin d'un de, 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 défi. De... Oui, j'avais besoin de me sortir de ma zone de confort. Ouais. Fait que ça, ça m'excitait de, 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 de le voir de cette façon-là. Ensuite, je me suis dit, euh, ben, je sors mon album en mai. Puis, mettons que j'arrive à finir mon album, à gérer tout le côté marketing qui vient avec, tourner les vidéoclips, en vue de potentiellement rester dans une maison pendant peut-être peut trois quoi? mois. C'est ça, c'est deux semaines? Euh... De une semaine à trois mois moi, okay. <laughs> bon, c'est long, là. Pire, Ça, c'est pire que quand Belle ou Télus te dit on va passer chez vous, régler oh, le truc entre 8h et 5h. Ça te fait chier, là. une semaine et trois mois. Ouais, c'est ça. Puis je te rappelle que un, une semaine dans cette maison-là, feels like a month. Ouais. C'est long. Tu perds tes repères. Ça te prend combien de temps au Caméra, aux caméras t'sais, Parce que j'imagine, comme n'importe quelle télé-réalité, pour l'avoir vécu à petite échelle avec euh, les naufragés de l'amour à. À Canal Vie, c'est que les premiers deux, trois jours, tout le monde est comme un personnage. Puis là, ouais, ah. ouais, là tu OK, il y a une caméra là, c'est ça. Ma manie tu es tellement là que tu oublies les caméras, que tu oublies ouais. les spots, puis que ta vraie personnalité ressort. Combien de temps ça t'a pris toi, pour te baisser tes gardes, gardes? Euh, C'est une bonne question. Je, hey, je pense que ça arrivé quand même assez rapidement. Ouais. C'est vrai que tu l'oublies. Tu l'oublies Tu l'oublies jamais, en fait, mm -hmm. que tu as les caméras. Pas juste à cause des caméras, aussi parce que tu as des néons, euh, des néons partout dans l'espèce d'usine transformée ouais. en maison. <laughs> Puis c'est néons, moi ça a été un des trucs les, qui a été difficile, là, les, les néons, pour moi, je pense que ça a pris au moins trois jours. Euh, que lights, les là. yeux s'adaptent à ce que ça... Oui, c'est ça. Okay. Euh, C'était super... Euh, tu ne vois pas l'extérieur. Hein? C'est quoi les règles? Tu n'as sais, euh, pas le droit d'aller dehors ou tu pas pas... Euh, ben, on a une terrasse. Mais tu peux pas, c'est ça, ton dehors. Puis c'est un peu mal foutu parce que la terrasse est positionnée par rapport à l'angle du soleil. Fait que le, 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 les deux premiers mois, ou mettons le premier mois et demi, le positionnement du soleil tournait alentour de la bâtisse. Donc nous, on n'avait pas un rayon de soleil. Fait qu'on regardait à travers les petites fentes là, de, de, de la barrière puis on voyait le soleil dans le parking. Mais on n'avait on avait pas de rayon de soleil. Ouais. Ça, c'était de la torture. Ouais, c'est pas cool, ça. Ouais. <laughs> puis sinon, il y avait des fenêtres dans la cuisine et dans la chambre rose et jaune, mais c'était euh, givré. Fait okay. qu'il y avait juste un petit peu de lumière qui rentrait, mais il y a tellement de néons que tu, sais, tu, tu le ressens pas vraiment. Ils vivent en communauté à l'âge adulte. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est tous des beaux humains. Puis, maman, tu veux ta vie privée un peu, tu as besoin d'être de, de, seul. Ouais. Arrivais-tu à le retrouver à quelque part là-dedans quand même? Euh, je te dirais que oui, quand même. Euh, moi, c'est aussi une des affaires qui m'intriguait. J'avais hâte d'aller vivre en communauté. Ouais, L'espèce de micro-société vra... qui se ouais, crée là, là. Moi, euh, j'avais comme ça, ça ne me dérangeait pas. J'avais pas tant peur d'être en manque de, de, de ma solitude parce mmh. que je, finalement, je n'ai eu des moments de solitude. Euh, on n'a pas de téléphone cellulaire, on n'a pas de télé. Euh, on avait le droit d'écouter des films dans les jours de congé, mais okay. pas tout le temps, en soirée. Pis, fait, ce qui fait en sorte que on a eu beaucoup de temps seul, puis on, on le... Ça se trouve, j'avais plus de, de moments seul ouais. à avoir de l'introspection, puis à, à prendre le temps là-bas, tu sais. Je sais pas si c'est similaire à, à, une, à une thérapie, tu parce que peut-être dans, peut dans l'esprit de vivre en communauté, puis pas de téléphone cellulaire, puis pas trop de, de, de divertissement, tu sais, on pouvait lire nous autres, mais... Quand tu ressors de là, tu réalises que les. T'as été là combien de temps Deux mois et demi. Deux mois et demi, quand même. Ouais. C'est très long. C'est très long. Puis, eu... Tout est plus calme. Ouais. Tu sais, dans ta façon de, 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 de penser aux affaires, dans ta façon de te de, de, de déplacer. Tu es comme. Tout à fait. T'es moins dans l'espèce de folie de De, 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 la, de, vie. de la vie. Ouais. Puis là, deux mois et demi plus tard, tu ressors, puis tu te sens tu, comme une espèce de bébête qui est comme, euh... oh shit, je ne fais plus dans cette espèce ouais. de vitesse-là. Là. Complètement déphasé. Oui, tu as vraiment raison là-dessus. que Un des trucs qu'on a remarqué assez rapidement en gang, c'est notre façon de se regarder dans les yeux. Euh, très rapidement, on s'est laissé aller dans l'expérience et on s'est dévoilé les uns envers les autres. Puis. Euh, on, vrai, on est vraiment devenu un cocon puis un safe space. Mm -hmm. c'était vrai On était une super de belle gang aussi, il faut le dire, mais je pense qu'on était tous euh, un peu comme chamboulés de la rapidité à laquelle on s'est justement comme abandonné et qu'on s'est confié. Et comme puis dans la vie, c'est rare à l'âge adulte qu'on qu fait des amitiés dans ce genre-là, mm -hmm. des fortes amitiés, puis qu'on s'autorise autant à être dans notre vulnérabilité. puis à à faire confiance aux autres. Tu n'as pas et... le temps non plus d'envie de connecter à ce niveau-là. Tu n'as pas le temps d'épuiser un sujet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Mm -hmm. Genre, J'ai un moment dans la maison où j'ai comme constaté, on parlait des émissions de jeunesse là, de, de notre enfance, puis on était euh, plusieurs générations à cette maison-là, donc tu sais, on a, on a fait vraiment tour, là, fait là. de long en large, fait le tour de la, du sujet, puis on était l'entour de la table, puis, crème, ça fait trois heures qu'on parle de ça, puis que, que même qu'il y a des long moment de silence où on est tous là, à hein, l'entour de la table, puis il n'y a pas de malaise au fait qu'il y, qu y a des silences. Ouais. Puis, puis pour revenir à la façon de se regarder, tu sais on, on a comme réalisé aussi qu'on qu osait regarder dans les yeux de la personne, mais différemment que dans la vraie vie, comme si dans la vie, c'est ça, tout est trop rapide, ouais. on a besoin de combler les vides, on a besoin que ça soit, d'être performant, on a besoin de... Tandis que là, on avait comme ce répit-là, ouais. puis ah, c'est aussi une des raisons pourquoi je voulais aller faire Big Brother. C'était de me donner un, un genre de. Une purge. Un break, ouais, un de... break de téléphone, puis de ouais. réseau, puis de. Là, tu dirais-tu. Euh, si je me demande si pour les gens qui nous écoutent, c'est pas un peu comme partir deux semaines en vacances dans le Sud, puis ils il se bâtissent une espèce de vibe avec les gens que tu rencontres ouais. là, puis tu te crées des amitiés, puis là tu te dis Hey, on se revoit en sortant. Puis là finalement, la vie repart, puis tu n'as ouais. jamais vraiment le temps de le faire. As tu tu euh, As tu gardé, as gardé contact avec, avec ces gens-là? Avez-vous été capable de conserver, de protéger cette espèce de relation-là en revenant dans la jungle? Euh, C'est sûr que on est tous revenus à notre vie, puis qu que les choses roulent, puis ça va vite, puis que... Mais, on a une conversation sur Instagram. Puis on, on, je pense que une couple de fois par semaine, on s'envoie des, des petits mots. S'il ouais. y a quelqu'un qui accomplit quelque chose, on se dit bravo, puis on se dit qu'on s'aime, puis qu'on qu pense à, à la ouais. gang, puis tout. Puis en fait, on, on a perdu, les, évidemment, on se voit pas, à, pas souvent. T'sais, on n'arrive pas à, à, à se voir autant qu'on le voudrait, mais on a quand, on va toujours garder ce special bond-là, mais ça ne sera jamais ce que ça a été là, dans... Ouais. Dans cette maison-là. Tu sais. Puis c'est. Je t'avoue que des fois, à y repenser, je trouve ça quand même un peu triste qu'on ait eu autant de lucidité face à, à des enjeux de notre quotidien, que, que ce soit notre téléphone cellulaire. Tu sais, J'en parlais avec Martin, à quel point ça prend de l'espace. Puis moi, je t'avoue que dans ma vie, c'est un peu comme un. C'est un peu comme un petit poison. Hein, mm -hmm. qui, qui, parce que je, je, je trouve ça difficile. Mettons, euh, tu sais, des fois, je vais, je vais prendre mon téléphone, puis je vais, sans m'en rendre compte, cliquer sur l'application Instagram. Puis je vais tomber dedans, puis je vais regarder l'heure, puis à un moment donné, je, mes yeux vont me brûler, puis je vais être comme Hein? 45 minutes que je suis là-dessus. Mm -hmm. Ça n'a pas de bon sens. Là. Mais tu pas la seule. Mais je, on est fou. Oui, mais moi aussi, le Instagram, mais le téléphone. Moi, c'est drôle. Hein, je suis partie dans le sud euh, avec la famille. Euh, l'hiver dernier, puis je ne parti pas de téléphone cellulaire. Nice. Comme au euh, <laughs> début des années 2000, nice. tu arrivais sur le resort puis il fallait, fallait que tu achètes une carte pour le Wi-Fi, puis c'était pas sûr que ça allait fonctionner, puis ouais. souvent je ne partais pas de téléphone. Puis là, je ne suis pas de téléphone, puis ça a été à la fois extraordinaire, puis aussi confrontant que... Une chance que Maïka était avec moi avec son téléphone parce que sinon, je ne pouvais pas revenir. Toutes les activités du resort étaient... Euh, tu sais, as ça sur ton téléphone. Ouais. Le « arrive Cannes que tu avais besoin d'avoir, il fallait que je le fasse sur son oh. salaire. fait que c'était ultra complexe. On est quasiment rendu au point où tu ne peux plus pas l'avoir. Exact. Mais l'avoir, c'est à la fois un super outil, mais quelle perte de temps fou. aussi. Par ma... Moi, ce qui me fâche le plus, c'est la, la... quand je me couche le soir puis je vois qu'il est rendu 11 heures. J'aurais pu m'endormir à 9h30, là, avoir une super nuit de sommeil, puis ouais. comme me coucher tôt, puis faire comme je vais être en grosse forme demain. J'ai perdu une heure et demie à juste scroller. Puis pire que scroller, c'est que l'Aster, c'est un système de messagerie aussi. Ouais. Fait que là, des fois, je suis comme, il y a plein de monde qui m'écrivent. Exact. Je vais aller voir, ouais. qu'est-ce qu'ils ont dit, je vais répondre à quelques personnes. Ouais. Puis ultimement, c'est un peu une perte de temps. Ouais. Fait que je vis une frustration aussi, euh, une ouais. situation amoureuse avec le. Puis c'est fou parce que j'essaie de me trouver des, des outils. C'est comme... J'ai vraiment l'impression que c'est une dépendance ouais. vicieuse parce que tu n'as pas, mettons, le, le whiplash de genre je suis dépendante à euh, la ah ouais, drogue. Ouais, la metton, drogue, puis tu es hungover. Es, ou es... Tu le vis physiquement, c'est que là, c'est ré, réellement un problème. Puis, tu sais, j'essaie de me trouver des outils, puis je suis même pas capable suivre C'est ce que j'ai essayé. <laughs> j'ai acheté un nouveau téléphone euh, il y a quelques semaines, puis là, au lieu d'avoir, mettons, Instagram, Facebook, TikTok, puis euh, Name It. Sur, première page. Sa première page, j'ai mis genre à cinquième. Ah oh, ben ben mais Bill je l'ai fait. C'est juste un. <laughs> c'est un nouveau réflexe. <laughs> ah ouais, ça va super Allez, vite. Moi, j'ai supprimé l'application. <laughs> OK? J'ai supprimé l'application. Ben ça n'existe ça pas, là. Ben, Gabin. C'est facile. Oh, right je... <laughs> there. He's right there. <laughs> Et-tu partout. Non, mais c'est problématique. C'est à la fois beau et. T'as-tu l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers on, on, Il faut qu'on ait une discipline interne. Euh, plus forte que jamais? Ah, moi, j'ai l'impression qu'on devrait avoir. Tu on parlait oh. tantôt de est-ce que tu as été. Est-ce que tu penses que tu as été outillé ou accompagné à ta sortie de, de, de mix? Mm -hmm. je pense qu'on devrait être accompagné et qu'on devrait avoir des cours sur comment avoir une utilisation saine ouais. de, nos, de nos téléphones, de nos réseaux sociaux, puis de vraiment se faire accompagner parce qu'on est laissé à nous-mêmes à, à justement ressentir un. un Profond mal-être. Puis là, tu sais, moi, je le vis, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans sans téléphone cellulaire et genre, j'ai des bons souvenirs de ma vie. Oui. <laughs> C'était pas plate. C'était pas plate. Puis s'il y a des moments où je fixais le plafond, mais peut-être que j'allais avoir une réflexion qui allait m'amener quelque part, puis qui allait m'amener ailleurs, puis que là, j'allais. Probablement que j'aurais écrit une chanson. Mm -hmm. Puis là, au lieu de ça, je tombe dans le gouffre de mon téléphone. Une heure est passée, j'ai mal aux yeux ouais. et ma créativité est morte. Puis t'es brûlé mentalement tu es, es drainé parce que c'est sur information après sur information puis à un moment donné tu sais plus comment puis comment cette information là, est ce que est ce que c'est une information puis ça dépend est ce que toi ton, ton algorithme est de feu puis es, tu t'as vraiment comme des foules de bons podcasts puis que c'est comme où j'irais à mm, moyen. Ou ouais. genre ton algorithme a compris que t'aimes les affaires un peu caves, cave. puis que genre ouais. c'est niaiseux, puis que c'est débilisant puis que ça te divertit mais que ça t'amène nulle part. Si okay. tu tombes sur ma page, tu de mm, l'explorer, là, tu vas penser que je suis un imbécile. Hé, hey, mais tu vrai? veux tu qu'on en parle, <laughs> genre moi puis euh, ma Éléonore la glacée est désormais ma coloc. Dans la vraie vie, wow. c'est ce qui est vraiment drôle parce que quand on était dans, dans Big Bro on n'entendait pas de se dire oh man je peux pas croire qu'on qu va plus habiter ensemble c'est tellement triste puis, puis finalement euh, en sortant euh, elle elle a emménagé puis a cherché un, une place puis moi j'avais une chambre de libre fait que j'ai finalement maintenant c'est ouais. ma coloc puis on vit le rêve là. ça <laughs> se passe bien pour eux. ça, ça se passe super ouais. bien je dirais lui c'est euh, un cœur sur patte puis euh, c'est est vraiment facile à vivre avec puis on a du fun puis ça pour dire que à tous les matins on s'envoie comme nos vidéos les plus puis j'ai l'impression que mon algorithme ces temps-ci me pige plus que jamais pour les mauvaises raisons là, ouais. mais tellement des 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 des, des vidéos niaiseuses ouais, ouais. mais qui me font vraiment rire mais que ah, j'étais à ma place j'ai 4 5 amis là, que je sais quand ils sont sur Instagram parce que on s'en on s'envoie des des vidéos pis des memes puis des fois tu te con poses con la question, euh... tu fais comme ok il m'en a envoyé 6 de suite c'est comme oui, sûr, je t'écris body vote, travailler tu sais oui, comme, oui, fais <laughs> autre chose je vais t'en envoyer, okay, <laughs> quand ça? je pense partie je vais t'en envoyer <laughs> donne-moi le, donne le supplément ce que je veux faire une plug c'est sport d'endurance comme vous savez je suis un marathonnier et je... Non. ce que j'essaie de dire c'est que chez Popeyes que tu as envie de faire de la musculation, que tu as envie de faire des sports d'endurance, il y a des suppléments pour toi, dont celui-ci ici, BioSteel, et plein d'autres dans le genre. Non, des fois, c'est drôle parce que c'est tellement cave, c'est eux autres, mon algorithme en fait. Là. Mais des fois, j'ai sauvegarde. Dans le jour, je suis comme, oh man, je garde pour les, les regarder en rafale, oui. puis là, j ris tout seul oui, le soir ça. dans le lit. Mais, mais pour revenir à la problématique du téléphone cellulaire, c'est bon ce que tu dis aussi de d'être capable de bien outiller tout le potentiel puis le, le, le côté nocif qui vient avec mmh. ce, cet outil là tu sais on parle de téléphone mais il y a la tablette, il y a les euh, Eden, il a joué aux jeux vidéo. Ah c'est drôle qu'on parle de ça Eden, il a 14 ans. Puis euh, il a joué aux jeux vidéo, je l'ai pogné, il a commencé à jouer à 5 heures un lundi puis à mmh. 10 heures le soir, il est encore là-dessus. Encore là-dessus, je suis comme ouais. d'où tu fais 5 heures que tu joues. Toi ouais. tu fais ta lecture. T'as-tu fait tes devoirs? Euh, 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 je suis comme Hey man, fuck it. Fait que là, sa mère, oui. sa mère elle est plus lourde que moi, mais il a mis une règle, tu sais comme euh, une heure par soir à partir de maintenant. Ouais. On check moyen. Fait que là, il me dit Oui, oui j'ai respecté ouais, parfait. Yeah, right. »« Mais mettons que je te donne le bénéfice <laughs> du tout. Mais vendredi soir, il ne veut pas aller à un party chez des amis parce qu'il est fatigué. Il y avait une game de hockey tout le kit. Tout il est est rendu comme... Une heure du matin. Il a joué pendant six heures. Mm. Fait que là, je suis comme Hey, le lendemain, je suis pas tombé sa tomate, mais j'ai fait, on va faire le calcul. Lundi, 5h. 6, 7, 8 pour mardi, jeudi, vendredi. Euh, mardi, mercredi, jeudi. 8h. Plus un autre 6 ouais. à soir. Ça fait 14h que tu joues dans vrai. les 5 derniers jours. Mm -hmm. 14h de ta vie, c'est là-dessus que tu là t'es concentré. En quoi ça t'a... Je comprends, là, du divertissement, on a ouais. tous besoin, mais 14h en 5 jours de divertissement? C'est addictif. C'est addictif au bout, tu sais. Puis en même temps, on ne l'a pas équipé non plus, puis il se revient de bord, puis sa mère, puis moi, on est comme ça aussi sur le téléphone. <laughs> fait que c'est quoi la... Ce serait quoi la solution? T'sais, ça se passe dans les écoles, un cours de, 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 de bonne conduite? Hey, euh, mais je pense que oui. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine parce que c'est rendu. le hey, une les plus centres de... nature. Oui, puis peut... les centres de thérapie, pour en connaître plusieurs, euh, commencent à, de plus en plus à avoir des volets. Ah. Tu sais, tu avais bon, dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues, euh, dépendance au sexe, dépendance à la nourriture. Puis là, tu as dépendance sybar, au téléphone. Euh, ouais, pas -dépendance. dépendance. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais j'y crois. Puis, tu sais, euh, je suis pas mal sûre que si on va voir des stats de. de les, les, les jeunes. Je suis sûre il y a beaucoup d'anxiété reliée mm -hmm. au téléphone. Puis que c'est même. C'est quand même subliminal, c'est quelque chose d'inconscient, dans le sens que, qu au premier degré, quand tu prends ton téléphone, ça te crée comme oh, yeah, Ah, j'ai un, j'ai un, dingue, trois là. messages cool, fun. Non, Puis le premier feeling est bon, mais tu sais, reste que je pense qu'il y, y a beaucoup de jeunes qui vivent de l'anxiété, de, soit de performance ou de comparaison, puis que c'est beaucoup relié, relié à, à ça. ça la façon qu'on qu rencontre les gens de nos jours, surtout quand tu 16, 17, 18, puis que tu n'as jamais connu ta vie sans téléphone cellulaire, ça doit affecter aussi la façon que tu rencontres les gens, puis comment tu te présentes, puis comment, comment tu regardes dans les yeux. Est-ce que, est que ça impacte ça? J'imagine ouais. que oui. T'sais. Apprendre à connaître quelqu'un en 2022, tu peux. Comment tu. C'est quoi ton nom au complet, nom de famille, puis après ça, tu peux aller faire tes recherches. Ouais. Aller les yeux OK. Ouais. Mais. Euh, non, ouais, c'est quand même. Euh, c'est fascinant, je sais. Je ne sais pas c'est quoi la, la solution. Effectivement, il faudrait des, des cours, mais même à ça, les cours, encore faut-il que es appliqué, tu les sais, appliques. Il ouais. y a un volet qui est très, très sournois là-dedans. Puis Il y a un volet qui est le fun aussi, qui est ultra pratique. C'est de jongler avec les deux. Tu sais, quand mm -hmm. when, when is enough? Ouais. C'est quand est-ce que c'est assez? Moi, le, le, c'est drôle, les journées que je suis le plus occupé, que je passe de meeting à meeting, puis après ça, je me retrouve à 4-5 heures le soir, puis je n'ai pas checké mon téléphone ou presque de la journée. Tu, en, tu, dans, tu le dévores. Mais je le dévore, mais je suis Ou l'inverse. Je me rends compte avant de prendre mon téléphone oui, que je suis comme, hey, ouais. I, I feel good today. Tu au lieu d'être ouais. toujours au détudé. Parce que je compare la petite notification qu'on reçoit, là, puis le message qui rentre, puis le poupou. C'est probablement l'équivalent de quelqu'un qui est accro au gambling, tu puis les machines à sous. Mm -hmm. Tu sais, le ding-ding. -ding. Ouais. Là, à ouais, un ouais, moment donné, ouais. le ding-ding, -ding, il fait moins effet, mais tu l'aimes pareil. Tu es, un... es dans la loupe, puis là, t'as mal. <laughs> mais tu <laughs> hey, non, <laughs> mais puis, un dernier vidéo, d'un coup, que lui, soit bon. Ouais. mais puis tu t'en rends même plus compte, t'sais. T'as-tu une. T'as-tu. Je suis chaud du coq mais... Ouais. mais je suis curieux de, de, de connaître ta, ton espèce de, de routine. T'es es ultra créative. T'as-tu euh... une discipline de vie? Tu te réveilles-tu à la même heure? C'est comme, euh, comme... quoi ton contexte pour créer? T'sais, à quoi ça ressemble, mettons, une journée? Euh, fait si j'ai une discipline, j'essaye d'en avoir une parce que. Euh, je pense que c'est quand même un de mes points faibles dans la vie, avoir de la difficulté à, à suivre un, un plan puis d'avoir comme une espèce de rigueur au travail. Ça en demande beaucoup de rigueur au travail, ce que je fais, et euh, je pense qu'il faut que je mette double d'énergie dans suivre une structure parce que je ne le suis pas structuré dans la vie. Et euh, étant donné que tout dépend de moi, euh, je, des fois je trouve ça difficile. Euh, parce que je peux facilement tomber euh, dans les nuages puis comme euh, perdre un peu la notion du temps. En fait, tu sais, mettons là, je suis dans un, une partie de ma vie où je retombe dans le processus créatif. Là, j'ai sorti ouais. mon album en mai, je l'ai performé cet été, j'ai fait plein de shows. Euh, mais là, je, je retourne dans cette espèce de bulle là créative puis mmh. d'écriture et ça, c'est, ça demande énormément de rigueur, parce que pour faire le pont justement à la discussion qu'on vient d'avoir sur les, les téléphones cellulaires, tu sais, si j'ai pas la rigueur de starter ma journée dans un état d'esprit, si je starte ma journée avec mon téléphone, je me brûle en partant. Mmh. Fait que là, il faut que je trouve l'espèce les, les, de routine matinale qui fait en sorte que je me mets dans un état d'esprit qui mmh. me permet d'être dans l'accueil, puis dans justement dans ma créativité, puis d'ouvrir mes horizons, puis d'être euh, ouverte, tu euh, C'est quoi cette, euh, cette routine-là? Ben, t'sais, je vais me réveiller le matin, je vais, euh, je vais pas regarder mon téléphone le plus longtemps possible, je vais me claquer un bon grand verre d'eau. Mm -hmm. euh, ensuite, souvent, je vais écouter de la musique, je vais essayer de découvrir des, nouvelles, euh, des nouveaux artistes. Euh, si je veux écrire en français, je vais essayer de lire euh, juste pour comme. Ah ouais, la lecture, en te, te, ton, te, ton te cerveau, permet hein. de, de soit décrocher de, le, du quotidien ou juste même de trouver des tournures de phrases qui m'inspirent. Qui euh, même lire de la poésie en français, moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de, de décrocher, de, soit de lire un peu automatiquement sans trop m'accrocher à ce que je lis ou vraiment de décortiquer un poème et de faire comme Qu'est-ce que tu veux dire? Mm -hmm. <laughs> Quoi que tu voulais dire là-dedans ouais. euh, c'est vraiment de me mettre dans une espèce de bulle et de, de, de m'autoriser à soi rien faire ou de vraiment essayer de me stimuler de cette façon-là. Ouais. C'est évident, évident que pour être là-dedans, tu peux pas mettre à répondre au téléphone. C'était comme une espèce de... Il faut que tu te mettes un peu en transe. Ouais. C'est un espèce de drôle d'état d'esprit. Ça ou... demande beaucoup d'énergie d'aller ouais. là. Puis de... Il faut que tu sois capable d'aller dans ta vulnérabilité, de te, de te donner aussi le droit de ne pas être bonne. Mm -hmm. Moi, j'ai bien de la misère à ne pas être bonne tout de suite. Ça, c'est un problème. Il faudrait que je puisse me donner la chance d'écrire un texte qui est vraiment laid genre, mm -hmm. vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Que je finis ma journée, je pense comme. C'était tellement pas bon ce que j'ai écrit aujourd'hui, <laughs> mais je l'ai fait. Je ouais. l'ai écrit. Puis ouais. demain, ça se peut que ça soit aussi laid. Puis peut-être que le surlendemain, ça va être. Juste un peu mieux, parce que je vais déjà m'être plantée. Ouais. Je vais déjà avoir fait des tournures de phrases qui sont pas belles. Fait que là, je vais peut-être être un peu meilleur. Puis de, justement... Mais c'est le processus. Exact, c'est le processus. Mais le puis processus, c'est un, un, une thématique qui se perd. Ouais. Le processus, tu sais. Puis c'est fou, parce qu'on est bombardé d'histoires à succès, de... Un tel euh, Lil Nas X qui a sorti une toune sur TikTok, Old, Old Town Road, puis après ça, c'est parti. Mais à ta minute, qu'est-ce qui s'est passé avant? Puis on est bombardé du 0,001% de gens qui, qui pop tout de suite, ouais. sans penser que tous les autres ont travaillé entre temps. Puis tu sais, ton, ton histoire de. Là, tu vas me dire le sportif qui fait des parallèles avec le sport, mais tu sais, comme, quand tu commences l'entraînement, T'es moyen. T'es comme pas super fort. T'es pas. Mmh. As ton mouvement, et tu le fais mal. Ou tu sais, même au foot, quand tu commences, il n'y a personne qui commence super bon. Tu te fais geler une couple de fois avant, mmh. avant d'en frapper un. Puis à un moment donné, tu apprends mmh. de tout ça. OK, ce move-là. Ou tu quand je cours ici sur le terrain, je te aussi bien de regarder à droite et à gauche pour, euh, parce que je sais qu'il y a du monde qui s'en vient. Puis il y a une valeur. Puis dans tes tournures de phrases, des fois, il y a peut-être finalement un élément que tu flippes. Finalement, ça devient une belle phrase, puis là, après ça, tu peux l'utiliser pour, pour autre chose, mais il faut que tu te permettes ça, puis ça, il faut que ouais. tu te saques patience. Oui, vraiment. C'est pas facile. Faut il faut que tu sois indulgent, puis pour que toi, tu donnes facile. La, la chance. Pour moi, c'est vraiment difficile. J'ai de la misère à ce que ne soit pas bon automatiquement, puis ça peut pas être ben non, comme ça ça, se ça, tu Surtout dans la création de, de, de quelque chose qui n'existait pas, mm -hmm. qui, qui, qui sort de toi, t'sais, puis c'est comme si. Puis c'est clairement euh, un parallèle, probablement face à bien d'autres affaires en an de moi qui je me donne pas la chance de pas être bonne, tu sais. Parce que c'est ça, je pense que c'est ça. Faut. Euh, c'est complexe de. Puis surtout que moi, la, ma, ma façon de, de faire de la musique, c'est pas calculé. C'est très, très instinctif. Mm -hmm. euh, c'est des textes super personnels. Fait que ça me demande beaucoup de me rendre là. Puis c'est comme si. Euh, c'est un... Mais ben comme tu as dit, c'est un énorme processus. Puis aujourd'hui, dans, dans une époque où on, on a besoin que ça soit bon rapidement, mm -hmm. c'est comme, je dois m'obliger à ralentir, tu sais vraiment. As, euh, on est au mois d'octobre, la journée de cet enregistrement-là. Marc-Antoine, dit se cache, je fais ça parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le show va être diffusé. <laughs> Mais euh, tu viens de sortir d'un été super occupé. Oui. Euh, tu as, as lancé ton album au mois de mai. Après ça, tu as, as eu plein de shows. Euh, Puis c'est la saison des festivals aussi, c'était carré. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la suite euh, Là, c'est vraiment le fun parce que j'ai annoncé euh, une mini tournée. Euh, je vais faire une coupe de show au Québec, vraiment une mini. Là, fait que euh, je vais faire. Euh, c'est combien de shows une mini tournée Une mini tournée. Ben au Québec, je fais Trois Rivières et Montréal. Donc à Trois Rivières, je fais le Théâtre Cogeco. Ouais. Euh, et à Montréal, je fais le Corona. Wow. Puis c'est euh, des. Euh, Co-headline. Cool comment ça fonctionne? C'est qu'on est deux artistes, puis on fait chacun notre show intégral. Ce c'est pas des premières parties, okay. mais c'est deux shows en un. Cool. Puis c'est euh, avec Tyler Shaw, ouais. qui est un artiste euh, de Toronto. Ouais. Puis on s'échange la balle comme ça. fait Il vient à Montréal, puis au Québec pour pouvoir faire euh, une coupe de show avec moi. Puis moi, mais je, en retour, je m'en vais euh, à Toronto. C'est intelligent comme. Ouais, c'est ouais. vraiment le fun. Ça a-tu été fait avant? J'ai déjà... Ou... l'impression que c'est une nouvelle pratique. Ça se peut-tu? Je sais pas. Ben, ben, c'est une super idée, en tout cas. Ouais. Pour, puis toi, surtout tu chante en anglais, aller mettre le pied euh, ben, dans, dans le un nouveau marché là-bas. Exact, exact. C'est un peu ça l'idée. Euh, puis ça s'en vient quand même rapidement. C'est fin novembre. Euh, le, Je pense qu'à à, Trois-Rivières, c'est le 18 novembre. À Montréal, c'est le 20. OK. Donc, euh, les gens. Il y a gens, encore des billets de disponibles. Il y a des sûr. billets de disponibles. Donc, euh, venez, venez nous voir. Puis, ils achètent ça où, ces billets-là? Euh, bien, si vous allez sur ma page Instagram, j'ai mon, mon site web. Fait que vous pouvez aller acheter les billets euh, directement sur, mon site. sur ton site. Oui, exact. Fait que là, il y a ça qui s'en vient. Oui, il y a ça qui s'en vient. Après ça, après les fêtes, t'as-tu ah. déjà un plan? Tu sais, parce que pour, pour avoir commencé à baigner un peu dans la musique, parce que nous autres aussi, la raison pour que je. Il y a toujours une petite stratégie derrière, là, Mais euh, je, je t'entends chanter en anglais au Québec. Nous autres, on a Justin Legacy, l'artiste mm. country qui fait vraiment même affaire. Mais je commence à mettre le pied dans cette espèce d'univers-là qui va vite en tabarouette. Ouais. Mais il faut quand même que tu aies prévu des choses beaucoup à l'avance. Ah, c'est des six mois d'avance. Mais hiver, euh, printemps, ouais, as tu déjà ton, ton plan de match? Bien, de... là, j'ai une coupe de maquettes qui prennent forme. Fait que je sais que j'ai de la musique qui va être euh, euh, sortable bientôt. Okay. Mais là, on rentre dans la période du euh, avant le temps des fêtes. Puis comme c'est super, tu sais, comme ben là, tu ton label, mmh. c'est ça ce qu'on m'a dit tantôt, qu'on m'a dit « J'ai un artiste, <laughs> un, on a bâti... Battu... Euh, ben en masse, oui, oui, surtout ça. quand ça. On veut le faire correctement. T'sais. Exact, faire correctement, puis une petite équipe, ouais. ça demande beaucoup de, de, de temps, puis ouais. c'est du gros travail, là, sortir de la musique avec un, un nouvel artiste et tout. Fait que si, si tu le vois, là, que c'est comme minimum deux mois d'avance mmh. pour pouvoir le distribuer, ben, l'envoyer... Oui, que ce soit ses plateformes, qu'il soit prévu. Oui, tout ça, fait que c'est comme... C'est vraiment faut prévoir les coups d'avance puis là étant donné qu'on est avant le temps des fêtes, je pense que je pourrais pas en sortir une avant Noël mais je pourrais presque parce que ah j'ai oui, hein? une qui est comme qui Pis qui tente là. Qui me tente vraiment. Puis tu sais comme dans les stratégies de ton album est sorti il y a pas si longtemps quand ouais. même, ça vient tu sais ça vient-tu ça vient-tu nuire à l'album ou en 2022, alors que tellement de chansons qui sortent toutes les semaines, ça te permet de rester relevant? Est-ce ouais. que tu penses à ces stratégies-là? Full. Ou... Ben, tu vois, mettons, l'album, c'était vraiment une stratégie d'album. Moi, j'avais. J'ai sorti un EP en 2019 euh, qui était quand même un EP très généreux de 8 tracks, mais il n'y avait pas l'espèce d'univers euh, d'un album où tu comme une espèce de une homogénéité dans l'histoire, mm -hmm. que t'as comme un genre de décorum qui se suit. Euh, donc là, j'avais vraiment envie de faire un album avec comme un... un une histoire. Là. Une histoire, puis un, une énergie globale qui, qui fait de, que c'est un album. Euh, fait que là, maintenant que c'est fait, au contraire, moi je pense que stratégiquement, aujourd'hui, c'est d'avoir tout le temps de la nouvelle musique mm -hmm. puis de pouvoir euh, rester chaud puis ouais. on le sait qu'aujourd'hui ben surtout tu sais là je fais de la pop euh, f... je pense que tu, tu peux jamais trop en faire tu comme évidemment tu vas pas sortir une tune aux deux semaines ah, là, mais la stratégie des, des singles fonctionne ouais. super bien ça te permet de pouvoir encore une fois explorer sans te t'encadrer dans quelque mm -hmm. chose si tu accroches quelqu'un c'est comment... qui elle ouais, là après ça oh exact. elle a sorti est-ce que ça tu vas avoir ton single qui va te faire a breakthrough sur TikTok. Ouais. Pis que là, comme, Il y a plein de vidéos qui vont être faites à la base de ça. Là. On ne le sait pas. Mm -hmm. fait que moi, je pense que. Puis, je suis quand même. Euh, j'aime ça, moi, pouvoir continuer à, à développer mon son, à explorer sans avoir trop de carcan. Ou de, t'sais, fait, que, mm -hmm. fait que moi, dans les prochains temps, c'est un peu ça. J'ai envie de sortir de la musique, de la bonne musique que j'aime, ouais. que j'ai choisi que choisie, sans ça, trop m'encadrer. Claudia, euh, c'est déjà l'heure. C'est triste. Je sais que tu es sûr. attendue euh, parce que tu t'en vas performer à une, euh, une autre émission. Euh, Je te souhaite, euh, souhaite tout le succès du monde. Bravo. Tu l'air vraiment euh, à ta place là, pour, euh, pour une fille qui euh, est comme Jack of all trades. Tu es euh, bon, comédienne, tu fait les téléréalités <laughs> en musique. Tu as vraiment l'air à t'épanouir là-dedans. Je te souhaite tout le succès du monde. Nous autres, on continue. Tu es comme un peu notre blueprint. On te regarde aller. On hey. te regarde aller. Qu'est-ce qu'on peut piger là-dedans puis, euh, puis mettre à la sauce de, de balistique. Mais, euh, mais bravo. Merci de ta générosité. Je te hey. souhaite euh, toute la meilleure des chances. Ben, merci de l'invitation. C'était vraiment le fun. Anytime, anytime. Merci tout le monde. C'était Claudia Bouvette hey. à Chilly, chez Boulet. Je vous rappelle que euh, ben, vous pouvez écouter le show sur toutes les plateformes de streaming. Et si vous voulez le show en avance, c'est sur le Patreon que ça se passe. Ciao, bye. Bye. bye.